PAN est considéré comme l'armée de ma PAN. C'est une institution à part entière. Nous allons continuer dans tous les quartiers parce qu'en réalité, nous allons mettre tous les subapan en réseau. Nous allons mettre en réseau pour un objectif, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait un rapport de force contre la montagne que nous allons affronter demain. L'appel aux jeunes de Cocotier. Voilà. Je vous demande de réfléchir. On va pas demander à certaines personnes. Est-ce que vous avez l'impression que le réfléchir sur deux choses de rentrer dans ses forces? Je n'ai pas la prétention de dire que le mouvement rentre dans les forces. C'est vous qui observez, qui regardez effectivement l'évolution de la campagne. Nous avons un objectif, c'est de barrer la rue d'Ali Bongo Ondimba. Parce qu'en réalité, Ali Bongo Ondimba, jusqu'à présent, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien fait. Aujourd'hui, la jeunesse, nous représentons aujourd'hui, se sent dans son aise. Aujourd'hui, Ali Bongo et ses mercenaires ont échoué sur toute la ligne. Ils ont pris le pays en captivité, ils ont pris le pays en otage et ils en font ce qu'ils veulent. Alors qu'ils ont des milliards et des milliards de francs CFA. Vous avez vu aujourd'hui, nous parle de baril de pétrole qui est descendu à 40 dollars. D'accord. Mais nous avons des autres richesses, notamment l'or, des mines du Québec qu'ils exploitent avec le Maroc français. Où nos couleurs, nous avons les tops. Ils exploitent l'or à Nikeba avec les Marocains. Et cet argent-là, les recettes-là, ça va où? Dans les poches des gens. Mais nous voulons que ces recettes-là rentrent dans les budgets. Il y a le diamant au Gabon. Il y a le frère à qui nous font des trucs. Peut-être qu'ils écoutent aussi la cachette parce que ces gens-là, on sait comment ils font. Donc, vous disons qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est plus les jeunes d'hier. Il y a une jeune génération qui est consciente, qui sait exactement ce qu'elle veut. Nous allons faire ce que nous pouvons. Nous allons aller jusqu'au bout. Pour que le Gabon, les Gabonais rentrent aujourd'hui dans une nouvelle ère, l'ère que l'histoire est connue. Colonel, le Mapan d'Avea n'est pas le Mapan de Cocotier, n'est pas le Mapan de Kingenou. Il n'y a pas de Mapan différent. Tous les Mapan sont identiques. Aujourd'hui, celui-ci à Cocotier vit les mêmes réalités que le Mapanien de Kingenou ou celui de Kembo, Atikoto, etc. Donc les mapans sont aujourd'hui le mapan. Les mapans sont le mapan.